Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est je sais pas quelle date, on est au mois de mai. On doit être à peu près le 15. Je guessais demain, mais je vous dirai tantôt. Ouais. La nuit a été catastrophique. Je pense que je vous le dirai juste comme pu, là. Je vous le dirai le jour où est-ce qu'on aura une belle nuit. Comme ça va être plus positif, hein? Wouhou! Ouais, ça fait que là, Rosie a fait un dodo. Bruno m'a encore laissé un petit peu dormir ce matin, hein, fait que s'est réveillé avec elle avant d'aller travailler, il a fait déjeuner. Fait que là, elle fait sa sieste. Moi, je vais ramasser du linge, j'ai parti me brasser de lavage. J'aimerais ça essayer de passer la balayeuse, faire la vaisselle d'hier, puis sortir le chat qui veut sortir. Puis là-dedans, il faut que je me fasse un café aussi. Hein? Fait que c'est parti! Rectification, nous sommes le 13 mai. J'ai comme un peu devancé les choses. Je vais me faire mon café, ça va aider. Ce matin, j'ai opté pour un petit kit, mon kit par excellence en mou. Et là, mon miroir est sage, je suis désolée. Mais j'ai mis mes petits pants de yoga, un crop top en dessous, si jamais j'ai chaud. Puis mon coton était crop top. Avant, il descendait un peu plus bas. Puis j'ai dit à Bruno, genre, faut vraiment pas le mettre dans ses cheveux, blablabla. Puis je l'ai mis dans ses cheveux. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, ben, je vais attaquer mon ménage. En fait, avant d'attaquer mon ménage, je vais aller me pimper à la face. Je vais aller maquiller un petit peu, ça va faire bien. Puis écoute, j'ai couché Rosie, t'es quoi, genre 8h? 8h et 5 et 10. Elle dort encore. On va-tu l'avoir? À chaque fois, comme la dernière fois que j'ai vlogué, ben la dernière fois. En tout cas, la fois que j'ai vlogué, ça a été une super belle journée. Fait que, on va essayer que ça soit pareil, genre, pour les siestes. Sérieux, c'est genre écœurant. Fait que bon, je m'en vais me maquiller. Puis on se reparle. OK. Bien. Ah, Rosinetta se réveille. Je vais aller la voir, mais là, je songe déjà à me changer. J'ai chaud. Il fait chaud. Je vais aller voir Rosie, puis je vais sûrement aller me changer après. T'as fait des beaux dodos, championne! Oui! T'as les yeux d'or? Hein? On va laisser ça! Tu! Hop là! Qu'est-ce que moi, t'as l'air? Eh, mou! Il est là! Oui! T'es moumou? T'es mouche? Oui! On m'a envie de la dormir.
Fait que pendant que Rosie est dans le gel jumper, moi je vais en profiter pour passer la balayeuse. Je t'aime comme. Comment je t'aime? De mille et une façons. Je t'aime comme le soleil aime le ciel et l'horizon. Waouh, as-tu vu le gros soleil? Attention, on va tourner la page. Je t'aime comme l'abeille aime les fleurs odorantes. Bzzz, pic, 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 pic. C'est beau, hein? Je t'aime comme le canard aime la pluie rafraîchissante. Coin, coin, coin. Normalement, il n'y a pas très bon pour un canard, hein? Coin, coin. En tout cas. Je t'aime comme l'oiseau aime siffler un air. Je t'aime comme l'ours aime les odeurs printanières. Ça sent bon. Bon, fait que là, il est 11h. Rosie a fait dodo, fait qu'après l'histoire, j'ai allaité. J'ai couché, là, elle fait dodo. Je l'ai déjà dit, hein, je pense que je suis contente. Là, je vais aller faire le ménage de la salle de bain. Puis, je vais partir aussi une autre brassée de lavage. Puis, cet après-midi, j'aimerais ça... Enfin, ça c'est de l'après-midi. J'aimerais ça écrire dans son journal de bébé pour ses 6 mois, parce que je ne l'ai pas encore fait. Puis, j'aimerais ça sûrement commander des photos sur le site de Walmart. Parce que je suis vraiment habituée... Je suis vraiment habituée à, genre, tout le temps aller chercher des photos puis tout, parce que, oui, j'en prends vraiment beaucoup. Puis, j'ai les classes dans notre album photo, puis j'ai change souvent, là, tu sais, vous voyez, là, j'en ai plein là. En tout cas, genre, on en a partout des photos. Fait que j'aimerais ça les changer. Ouais. Puis sinon, ben, je m'éduquais si je le fais pas, puis je le fais juste quand je vais aller au Walmart, ça va nous coûter une beurrerie, parce que j'en ai déjà vraiment beaucoup. Fait que je vais m'apprêter à aller laver la salle de bain. Ah, je sais pas aussi si je l'ai dit, là, mais j'ai tiré mon lait. Je sais pas si... je fais pas du tir à l'aide. Tu fais du tir à l'aide? Ben, pas vraiment. En fait, j'allais trop vite tout le temps, sauf que je tire mon lait aussi pour aider à ma production. Au début, c'était plus pour ça. Maintenant, comme ma production est bien correcte, mais je le tire comme ça. Plus tard, quand on va aller à la garderie, ben, je vais pouvoir y emmener de mon lait. Fait que c'est juste ça, là. Fait que habituellement, chaque matin, je tire mon lait, genre après qu'elle ait bu. Pendant que je déjeune, ben, je tire mon lait. Mais là, ce matin, elle a bu comme vers 5h30. Fait que on s'entend que ça me tentait pas de me lever pour aller tirer mon lait. Là. Fait qu'elle a déjeuné. Je l'ai fait boire. Puis là, ben, je tire mon lait. Fait que OK, je vais faire le ménage. Donc, on est rendu à l'heure du dîner. En fait, il est 11h48. Ouais. Rosie, ce midi, elle dîne du. Ça a tellement pas l'air bon, là. Elle dîne du saumon, des betteraves. Puis je la gagne avec des pruneaux en dessert. Genre, elle capote sur les pruneaux. Puis moi, je mange le restant d'hier, c'est-à-dire jambon, patates, brocoli. Ben ordinaire, mais c'est ça. Ok. Cette mademoiselle ici est affamée. T'as beaucoup faim, Lou? C'est rendu que t'aimes ça, hein? Laisse-moi mon cœur. Mes betteraves sont trop chaudes. Oh. Attends, c'est chaud. Okay. Ouais, c'est un petit peu chaud, hein? Maman a mis de la betterave. Good. C'est-tu bon, la betterave? Je pense que oui, hein? T'es bonne. Hello, il est 1h30. Rosie a fait dodo. J'ai essayé de faire ma commande sur... j'ai mis mon dos. J'ai essayé de faire ma commande sur l'application de Walmart. Et bah, attends. J'ai hâte de faire la vaisselle.
Mais j'ai fait des purées à Rosie, ça fait du bordel. Puis là, ben, je vais pas ramasser parce que je vais pas arriver. Bref, j'ai dit, j'ai mis l'application des photos là, pour faire finir les photos au Walmart. Mais comme je comprends pas, j'ai tout sélectionné. Puis après, il y a comme plus rien qui se passe. Fait que je vais passer à autre chose si je vais revenir tantôt. Là, je veux compléter ça ici. Son petit journal des 6 mois. Fait que, ouais, je vais faire ça. Puis Anna, ça va quand même bien pour les doudous. Fait qu'on croise les doigts. Et peut-être que quand on va se réveiller, on va aller prendre une petite marche jusqu'à la poste. Parce que j'ai sûrement beaucoup de colis. Mais beaucoup. En fait, on attend surtout ces sus bibs qu'on a commandés. Puis qu'en ce moment, il en reste juste une. Fait que je peux vous dire qu'on panique d'ennui quand elle a pitch. Puis qu'on la trouve plus. Là, parce qu'on n'en a pas d'autres. Fait que j'aimerais ça aller voir ça. Fait que voilà, voilà. Quand je vous dis que les siestes, c'est pas toujours facile, je l'ai couché à 1h, puis elle se réveille à comme 1h40. C'est clairement pas assez parce que je sais qu'elle va se re... Je sais que je vais être obligée de la recoucher parce que comme dans 10-15 minutes, si je la lève, elle va être encore fatiguée, fait que ça va être à recommencer. Fait que... Là, elle est dans son lit. J'attends qu'elle se calme un peu toute seule. Je vais la voir quand c'est trop, là, mais c'est difficile. Je trouve ça, je trouve pas ça facile. C'est comme ça chaque jour, chaque nuit. Puis, tu sais, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de faire. On a la note, puis avec ce qu'on est bien là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, on en a essayé des techniques, on en a. J'en ai lu des affaires, j'en ai lu des livres. Fait qu'on y va comme qu'on pense, puis comme qu'on s'enlise avec nos valeurs. Là, c'est surtout ça, je vous dirais. Là. Que là, je pense qu'elle s'est calmée, mais je pense qu'elle joue dans son lit. C'est sûr, en fait, qu'elle joue dans son lit. Ah non, elle est tranquille. Attendez. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit pas grand-chose. Elle est comme en haut. Ah, c'est peut-être endormie. Je vais continuer à écrire dans son petit journal de bord. Si elle s'est rendormie, je pense que oui. On croise les trois. Et ok, finalement, changement de plan. On s'en va marcher. Fait que petite madame est habillée. Parce que j'ai l'impression que si c'est ses dents ou je sais pas. Regarde, peu importe, je l'ai sortie dehors. Puis si je combats avec elle, hein? Ben, on sera pas plus avancé. Puis j'ai mis des petits souliers avec son manteau qui est comme un peu trop grand. Mais sinon, elle est juste comme un gros One Piece. Fait qu'elle choue pas mal avec ça. Fait que ça va marcher! Ok, bye! Résultat de notre marche. Elle m'a mis les cheveux partout dans le visage. Hein, pou? Ben, elle a pas dormi du tout. Pas du tout. Puis là, ben, elle est chigneuse. Peu importe ce qu'on fait. Hein? À part si on se colle. On va se coller. Oh, elle était fatiguée. Je l'ai juste mis dans son lit en attendant d'aller me laver les mains après notre marche. Ça a été la grosse crise. Après ça, ça a été la grosse crise sur la table à langer. Hein? Oui. Tu l'aimes un peu la doudou. Fait que là, on va en profiter pour se coller. Peut-être boire un petit peu de lait. Avant de faire un autre dodo. On l'espère, hein? Si jamais le vlog coupe, genre sans conclusion, elle m'aura achevé. Oh! Ok. Tu vas être qui, mon amour? Aïe! Rosie! Rosie, t'es-tu fatiguée? Hé, hey, je te parle! Rosie Coutie! Oui. Fais-tu des dodos là? Non. Tu peux essayer de la suite si on fait pas de dos? Twink. Hey. Qu'est-ce que tu fais ton chat? Oui, c'est Moumou, il est couché. Oui.
T'es-tu par-dessus moi un peu? C'est qui ça? Tu viens de faire un bip? Tu viens de faire un bisou? Ouch! Je t'aime! Oh, un beau bisou à maman! Ok, tu finis mon bisou? T'es fine! Merci mon amour! Grosse fesse! Oh, les bisous sur la bouche, c'est dégueu! C'est dégueu ça! C'est maman pis papa qui fait ça, pas les bébés! Ah, t'es pleine de barbe. Tchoum pou tchoum poum tchoum! Tchoum pou tchoum poum poum poum! Bon, ça fait que maman, après quand t'es énervée, est-ce qu'on va essayer de te coucher? Très mauvaise idée! Ça fait que comme vous avez pu voir, ben en fait voir, pas tant. Je suis devenue folle. Et Bruno est revenu travailler. C'est, ben moi, je suis en train de bercer Rosie parce qu'elle avait encore fait juste un petit 45 minutes de sieste. Fait que j'ai décidé de la prendre sur moi puis, pour qu'elle continue à dormir. Fait que là, Rosinette est en train de souper. Qu'est-ce que tu soupes, mon mine? Des poulets, des patates douces. Pis des céréales au melon pis au lait à maman. Ouais, ça donne un drôle de goût. Tu as goûté? Ben, il fallait pas que ça soit trop chaud. Bon. Oui. Fait que là, je pense qu'on va fermer le vlog. Parce qu'après ça, ben, on rentre dans la routine. Oh! Une grosse bouchée. On rentre dans la routine du bain pis du dodo. Pis on va souper nous autres aussi. Je suis en train de faire du macaroni. C'est le jambon, c'est le chinois, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Fait qu'on va se dire à un prochain vlog. Merci d'avoir écouté, puis on se revoit une prochaine fois. Bye tout le monde!